qui bon gars des amis qui avouent message moi c'est confirmé de remettre démission dans un message par vision conférence de bail dans conseil des ministres et qui a oui conseil des ministres ça t'a fait tout à l'heure oui bon on est là conseil des ministres ça t'a fait tout à l'heure là il peut qu'on finisse t'a prendre réunion bail là conseil des ministres c'est et bois vert qui t'a présidé on va commencer lui t'a pas dit oui va me garder là gain et les témoins d'Haïti, bon, ma vous moi, je lis selon les témoins. Juste avant la tenue de la réunion avec la CARICOM, Ariel Henry, premier ministre d'Haïti, a présidé sa dernière réunion du Conseil des ministres, au cours de laquelle il a présenté sa démission. On reprend selon le témoin. Selon le témoin, juste avant la tenue de la réunion avec la CARICOM. Juste avant que la réunion CARICOM n'a commencé, Ariel Henry, premier ministre d'Haïti, Ariel Henry, ancien premier ministre d'Haïti, a décidé, a décidé de sa démission, a présenté sa démission, pendant une réunion du conseil des ministres, au cours de laquelle il a présenté sa démission. Pendant la réunion, ça, Ariel Henry était tout profité de Boisvert, il démissionnait. Boisvert. Et après, appelé pour Mounio, Ariel Henry, pendant le 2 à là, t'assemblé dans sous, nous gagnons depuis le ministère des Finances, il y aura floué 4 de crédit Ariel Henry, dans le niveau 200 000 $. On a rappelé que le témoin lui-même lui fait tweet ça à 9h39 p.m. Il avait dit dans l'heure, on a parlé là. Non, et. Oui. Bon, prendre pour Mounio. Sous 4 de crédit dans Ariel, avec délégation, il y a 11 membres. Il a renfloué pendant le jour que passé sur une base, il a mis $200 000 américains, selon sous nous, dans le camp même conditionnel dans le ministère des Finances. Quand vous jouez de l'Alcido, dans le cacaba, que vous ne pouvez pas consacrer les renfloués, il a mis sous cob, sous 4 là, il a rassemblé sous 4 là, $200 000 américains pour aller pendant le 2 heures pour le bouler. Dis-vous que numéro sous groupe là. Moi, Rosemont, la petit frère, comment le relayer? Apman, qu'on ancien ministre des gars, Paul-Antoine Bien-Aimé. Paul-Antoine Bien-Aimé? Son groupe, moi, Rosemont, la cap manqué Paul-Antoine Bien-Aimé. Il s'arrête pour le traiter, le grappia est là, passé. Paul-Antoine, monsieur. Fait tout. Pas qu'à la goula. Ou t'es toujours un sérieux pour l'Antoine Bien-Aimé. Ça qui arrive, vous pas de faire cop. Non, pas qu'à. A fait mon avoué. S'achète l'eau dans Figoni. Il reste Cotex. Parce que, ouais, on a une note qui se dit là. Pour l'Antoine Bien-Aimé, pas de vouloir bousquer notre là. Il n'y a pas de ciel? Hein? Tout le monde qui pas connaît. C'est moi, le monde, tout la région sur la radio. Avec Alcidor, Jodel. Nous avons annoncé que Aswea Ariel Henry a démissionné. Pour nous, pas nouvelle. Non, nous avons dit depuis 2h14 sur le 92.7. Nous avons dit d'une source de la Maison Blanche et du département d'État que Henry Ariel a démissionné. Et de fait, le conseil gouvernement a commencé vers 5h34. Je me dis le conseil gouvernement est campé là. Et au cours de cette réunion, côté ministre, tout est là. Ariel n'a pas présenté démission. Nous-mêmes, nous sommes allés depuis 2h de l'après-midi, 2h15. Ogar toujours en avance. Et peut-être ça m'a demandé tout le monde. Merci pour l'amour nous. Merci pour l'affection nous. Ogar pas jamais menti. Ogar toujours à la pointe de l'information. Johnny Joseph, comment ça y est? Et Paul l'a sorti dans la rue, Henri Ariel, c'est ex-premier ministre pays d'Haïti. Comment ça y est dans la zone où il y a? Bonne image là. Je me salue, vous me salue dimanche, je me salue tous les amis qui connectent nous, tout le monde qui a suivi nous. Sur la fréquence nationale, là, car nous sommes dans la rue, nous venons la tomber, Ariel Henry, il est démissionné. Eh bien, nous connaissons nous-mêmes, nous, c'est la Jury KFM, il faut parler dans la rue pour voir comment l'Ariel lui-même lié dans le monde qui a parlé. L'Ariel qui toujours été, même Jean, très timide, là, dans différentes zones que nous déjà passé là. Et toujours pas de monde dans la rue, ok, pas de monde dans la rue, dans le monde qui m'a filé là, c'est moi-même.
T'inquiète, l'équipe planète, nous, dans la rue, là, nous regardons comment la rue est. Et en pile fait noir, et nous avons parlé là, nous, en tant que nous sommes là, ok, dans la zone, et vraiment, et toute zone planète, pour arriver devant Brivagia, il est déjà effet noir, passé en dedans, et Bible, tout côté net, effet noir, même présence de la police, nous pas remarqué, dans quoi, qui compte gagner, et policiers, comme d'habitude. Nous, dans la rue, il y a déjà, parce que nous, c'est on la rue qui est très, très timide, surtout dans l'air, ça, il est déjà, et 10h et 18, nous, dans la rue, on a sillonné, et n'importe ça qui vient pour nous partager ensemble avec le public là. Parce que tout à l'heure, là, il y a un coup de balle qui t'a chanté dans la zone et puis blé, ok? Ça qui est la cause de tout le monde qui est entré là, qui est bien bonnet, donc si il parle de faire avec quelqu'un de quoi, qui campe et bon la ria, mais il faut qu'on se dise, dans moi qui n'a parlé à la ria lui-même, qui est vraiment, vraiment, vraiment timide, pas de monde dans la ria, même une grande motocyclette qui a passé mon côté, il passe à toute vitesse, mais sous la chasse croise en machine, même une même opère, ok, parce que par rapport avec la ria lui-même, qui paraît très timide, dans moi qui n'a parlé à. Nous là, dans la ria déjà, bah, on essaie, ou même avec Simon, c'est nos bonnes questions, on a continué à sillonner. Continuez pour que cette journée avant l'émission finie avant moi, mettre l'équipe au garde non-stop. Là, continue à progresser après le boulot d'information davantage. Merci. Merci avec Edmond qui sous toi là, qui met Morin bravo, ou t'es toujours Kembe Batala pour qu'on tout pas jam lagé, malgré bagala t'es difficile, ou t'es toujours à dénoncer voleur. Merci beaucoup Edmond, merci Marie-Hélène Alexandre. Bon, oh, bon coup, t'as eu 50 millions. Qui ça? Oh, ouais! Sorti-moi, Louko! Troisième bagarre là, c'est assassinat président Jovenel Moïse. Sortim là. Mais Seigneur. Qui coalition, qui connaît. Aucun bagarre va changer d'idée. Nous avons une seule cause. Moi, apprendre Ariel Henry remettre démission par une conférence. Ok? Devant les ministres. Devant les ministres. Et tous les le ministres. Le premier ministre Ariel Henry, lui remettre démission. Moi, je vais vous dire qui est envoyé ça. Ça va me tout. Vous gardez la parole. Juste avant. Et puis les conseils, ok. Ben c'est à consultant, non? Ok. Ok. Le témoin Haïti, il vient annoncer ce que moi, le témoin Haïti, son média. Bon, mais c'est vérifier ça. Où qu'on est? C'est quoi? Grand pile, mon gars, il a dit nous, c'est confirmé, ok? Radio Omega. Ariel Henry met démission. Radio Omega. Ça veut dire, c'est au passé. Bon, yeah. J'ai toujours dit là. Ariel remet démission là, bon vérifier vite là, bon vérifier vite Gino Jean-Baptiste puisque nous-mêmes c'est Boukanté la parole. Boukanté la parole. Il y a des médias, il y a le témoin, moi qui partage li, gon moun qui dit me pas citer non, oui, m'pa je me fais ça mes amis. C'est madame je me fais ça qu'on ne va pas. Boukanté la parole. Et mais malheureusement tout, moun qui dit me pas citer non, bam gen Jean-Baptiste, OK? Gen numéro a. Oui, c'est OK, c'est OK. OK, c'est ça. En tout cas, n'a pas garder tout ça avec vous là, n'a pas garder tout ça avec nous là. Et Juno Jean-Baptiste a fait contact, m'a fait contact yo tout. Et n'a fait contact. N'a pas parler sur ça. N'a pas parler sur ça. Et bon fait contact yo là pour nous connaître officiellement et oui puisque c'était le tap compté pour que ben la officielle vous gardez la parole. Oui. Nous n'a pas cherché là, oui, nous t'ai annoncé c'est confirmé auprès de une source officielle. Oui, n'a pas cherché une source officielle et qui est-ce qui t'a de bali là Juno Jean-Baptiste et bon monsieur garde avec une source officielle l'intervalle sous ça, sous démission Premier ministre Ariel Henry, et il fait devant Conseil des ministres là, à souhait par Zoom, ok? Puisque c'est à distance. Juno Jean-Baptiste, pas mal confirmé ça, on va te parler. Oui. Et donc, et les carottes qui. Radio Omega. Je vais vous faire une quitte net, ok? Vous gardez la parole. Décision officielle là. Tu as supposé au courant sur les. Et nous sommes capables de dire non, on tient tant tout coup. Radio Omega. De ça, est-ce que c'est officiel
PM Henry va démission en ligne, j'ai encore annoncé ça parce que crise là, encore une fois, on m'a prédit crise là, crise haïtienne, non? La crise haïtienne dans sa complexité et fait une nouvelle victime. Radio Omega. Et c'est dommage que Dr. Henry pas venu. Il y allait comme beaucoup d'autres chefs avant lui. C'est-à-dire, il y allait de façon indigne. Et 31 mois à faire passer le temps, à mentir aux acteurs, à mentir à ses alliés, donc, et à être le prisonnier de quelques figures politiques hystériques et avares, qui te fait le croire que la ville n'a pas le pouvoir. Avec Saturné comme chef cabinet, il a pris tout pouvoir, il a pris tout espace pouvoir, il a pris tout ministère, toute direction générale, et puis il a fait 5 ans. C'était l'argument de monde qui était plus radical, parmi eux les Madame Bouzil, etc., qui était quoi que le temps est capable de faire 5 ans là, comme premier ministre et comme président. Il était convaincu dans ça, et l'histoire doit retenir nos mondes à eux qui menait Henri dans tout. Qui fait que je dis elle connaît cette triste fin. C'est une fin qui est triste. Il sortit par la petite porte, même si que nous dit Jean-Humil Lilla, ça fait nous mal comme haïtiens. Mais Radio Omega et toute la bande, je t'ai cherché ça en pile, qui fait que je dis elle est tombée avec déjà des complications de crise là, que nous déjà capable d'augurer, qui n'est pas facile à surmonter. Avec cette hypothèse qui est sous table là, qui est en débat, de un conseil présidentiel avec des membres de différentes structures politiques qui parlent désignés par des politiques. Radio Omega. Qui parlent des aspirations, qui parlent des projets. Donc, rien pas annoncé de beau VIA. Bagayo parle là, on va être compliqué. Encore une fois, c'est faillite et litio. Politique, économique, etc., qui fait que à plusieurs reprises, pendant 20 ans au moins, nous toujours tournons dans le même cafoua. 2024, c'est 20 l'année. On parle de 86, 20 l'année depuis que nous avons fait brigandage. Et chaque fois qu'on fait brigandage, eh bien, c'est encore le blanc qui doit chercher, proposer solution. Ben non. Je crois fondamentalement, et je suis soutenu ça là, faut que nous sortions dans la spirale ça pour que le pays prend la voie de l'autodétermination, la voie du progrès social. Les fondamental pour que nous sortions dans la spirale ça. Parce que je regarde un ensemble de pays qui arrivent comme eux, je prends tout net ou blindé. Pas qu'on ait une histoire que Haïti gagne. Ou après tous les 15 membres Radio de la CARICOM ou Blendeo, pas gagné un cap beau histoire. Vous gardez la parole. Cette histoire fabuleuse. Côté des esclaves noirs, des vanupiers, Jean-Otéré Léoa, t'es osé mettre en déroute l'ordre esclavagiste. Mais idéal 1804, ça, c'est dommage de le dire. Depuis 1806, ça galvaudé. Depuis après 17 octobre, après nous fin, après manicide ça, nous fin assassiner un pire là, eh bien, nous avons galvaudé idéal ça. Nous faisons tout 19e siècle, nous avons galvaudé. Nous faisons tout 20e siècle là, l'occupation américaine, la dictature, nous avons galvaudé. Encore une fois, nous entrons en 2000 ans, nous continuons à galvaudé idéal ça. Et c'est dans galvaudé idéal ça, nèg politique qui fait de gauche, de droite, tout le monde qui fait le qui toujours mène là, toujours au pied du blanc pour recevoir des ordres. Moi-même, Juno Jean-Baptiste, vous gardez la parole. J'aime suspendre, soutenir ça pour me dire que il faut sortir de ces schémas-là, il faut sortir de ce cycle-là. Sinon, 10 ans encore, mal trop loin, oui. 5 ans encore, nous risquons de retrouver dans une situation qui est similaire. Dans une situation qui est similaire, avec un pays toujours ingouvernable, avec un pays qui...